Nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Je souhaite, depuis cette assemblée, exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tsahal. Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations. Cessez le feu ! C'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez le feu, car le pire est à prévoir quand le ministre de la Défense israélien assiège Gaza, privant 2 millions de civils d'eau, d'électricité et de nourriture. Cela fait trop longtemps que la communauté internationale a laissé la situation s'envenimer. Il nous faut œuvrer au rétablissement d'un processus de paix qui mène à deux États, sans quoi les horreurs passées s'amplifieront non seulement des atrocités présentes, mais aussi des désastres à venir.